Bonjour à toutes et à tous. Coucou. Mercredi 28 août, on est toujours sur Clermont-Ferrand. Tranquillement, on va reprendre le stop. Encore un grand merci à Julien pour son prêt, pour cette chambre d'étudiant. On t'a fait un petit peu le ménage, hein. On a tout nettoyé, du sol au plafond. Aïe. Aïe. On est toujours au centre-ville donc, de Clermont-Ferrand, juste à côté du centre jaune. Et on va repartir. Alors, ça va être une journée un petit peu intense aujourd'hui, puisque je vous rappelle qu'il nous reste 3 jours pour rejoindre Albertville. Donc, le stop, direction Lyon. Bonne journée à toutes et à tous. C'est parti, premier stop de la journée. On est toujours sur Clermont en direction de l'A89. On va commencer tranquillement à se diriger vers les autoroutes, les axes un petit peu plus passants, ce qui va nous permettre de remonter un petit peu plus rapidement sur Albertville parce qu'on est là, on est quand même à bien 400 km. Un peu moins. Juste à côté du centre d'essai des pneus Michelin, arrêt du tram, les pistes. On est parti pour premier stop de cette journée. 14e journée. Donc ça y est, on est en voiture, on est parti de... De Clermont. Clermont-Ferrand, oui, c'est ça. On est parti de Clermont-Ferrand. On va vous présenter notre chauffeur. Donc Anne-Laure, c'est ça, hein? C'est ça. Anne-Laure qui est un peu monotache parce qu'elle conduit, mais... Quel âge tu as? Tu viens d'où et tu fais quoi dans la vie? Alors, moi j'ai 35 ans. Je viens de Martinique et je suis dermatologue. Voilà. Martinique. Ah, on va pas en Martinique. Ça, hein. Ça fait loin le stop quand même, mais... On va à Lyon. On va à Lyon, super. Donc voilà, Anne-Laure nous dépose à Lyon et on reste. Anne-Laure, quel âge? 35 ans. 35, pardon, je n'avais pas entendu. T'écoutes pas quand on parle. Alors vous voyez pas sur la caméra, mais moi je suis derrière et je voyage avec un piano sur les genoux. L'année dernière, j'avais une porte sur la tête. Cette année, j'ai un piano sur les genoux. J'adore. Ouais. J'adore. C'est que des bons moments. Merci beaucoup en tout cas. Merci Anne-Laure. De rien. Merci à toi, c'était vraiment cool. Salut. Bon, eh ben on est sur la même aire d'autoroute où on était l'année dernière. Elle a été gentille, super gentille, très très gentille. Encore merci Anne-Laure pour ce trajet. Avec un piano sur les genoux. Avec un piano sur les genoux. On est parti de Clermont et nous voici sur Lyon. Salut Anne-Laure. Et on est quasiment un an après, jour pour jour, presque, quasiment à 2 jours près. La même aire de repos. Donc si vous regardez la vidéo de l'année dernière, c'était exactement la même aire de repos. On n'a pas les mêmes sacs. C'est la même louloute. Oui. Et c'est le même endroit. C'est parti pour le stop. Parti, on vient donc de quitter l'aire de repos de... Mionnet. Voilà, on était juste à côté de Lyon. Et donc là, nous sommes en compagnie de Bernard et Martine. Donc ils sont juste devant nous. On se dirige vers Bourgoin-Jallieu. Donc c'est la direction de Grenoble. Donc nous avons donc sur la gauche, on a dit Bernard. Sur la droite, Martine. Vous pouvez juste nous rappeler où est-ce que vous allez, Bernard et Martine, et qu'est-ce que vous allez y faire? Une randonnée de 8 jours. Hein. Une randonnée de 8 jours. Le tour des Aiguilles d'Arve. Par... un petit village qui s'appelle Albane, au-dessus de la Maurienne. Après, on dort dans une chambre d'hôte, Pied le Jeune, je crois. Ouais, ouais. Et puis ensuite, c'est des refuges vraiment perdus dans la montagne. D'accord. Refuge du CAF, voilà. On sait que c'est pas très très confortable non plus, mais bon, voilà. Donc le CAF, c'est le club alpin français. Hein. Alors pourquoi je vous pose la question? Simplement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on a un de nos meilleurs amis ch'ti qui fait partie de la famille Notre Aventure, Votre Destination, qui s'appelle Seb Maga et qui c'est un gros fan, alors pas gros dans le sens, il n'est pas gros physiquement, hein, mais c'est un grand fan, pardon, des Aiguilles d'Arve. Ah, donc ouais. Voilà, Seb, quand tu regarderas cette vidéo, c'est une petite dédicace qu'on te fait en pensant bien à toi. Et voilà. On pensera à lui sur notre tour. Parce que... C'est gentil, ça. C'est gentil. Donc voilà, Seb, c'était pour toi. Bon, bah Bernard. Salut. Merci beaucoup. Merci. Salut. Bon courage. Au revoir, Martine. Au revoir, Pascal. Merci, Erika, oui. Et puis, bah, amusez-vous bien sur les Aiguilles d'Arve. Oui. Faites bien attention à vous. Prenez soin de vous. Ouais, merci beaucoup, c'est gentil. C'est pas très pollution, là, mais bon. Hein. Non, mais vous inquiétez pas, ça va le faire. Vous inquiétez pas. Au revoir. Amusez-vous bien. Merci. Merci. Au revoir. Nos amis retraités. Très, très, très gentil. Ouais, très gentil. Ils sont en train de partir derrière nous. Encore un grand merci à vous, Bernard et Martine. On vous aime très fort. Et puis, amusez-vous bien. Faites bien attention aux Aiguilles d'Arve. Sure. Et puis, prenez du plaisir. Kiffez la vie. Allez, nous, on a été donc déposés sur une aire d'autoroute. On est juste à côté de Bourgoin-Jallieu. Du coup, on va enfiler les sacs sur le dos et puis on va marcher un petit peu.
Bah ouais. Ah bah allez, c'est parti. Allez, c'est aussi ça les joies du road trip. Hein. C'est que, bah voilà, là vous avez vu, on vient d'être déposé. Voilà, Bourgoin-Jallieu qui se trouve à peu près un kilomètre et demi d'ici. Du coup, il va falloir qu'on escalade cette barrière pour passer de l'autre côté pour pouvoir prendre l'air de service. Comment ça marche? Là, on peut pas. Donc finalement, bah, on n'a pas grimpé la barrière. Il y avait un portail juste derrière nous qu'on a juste ouvert. Il y a une rivière. Bah vas-y, continue. On va voir si on arrive à traverser la rivière. Alors ça, c'est plus du road trip. Là, c'est retour à l'instinct primaire. Attention, il y a des trucs qui piquent là. Il y a quoi? Des plantes qui piquent. Et des plantes qui piquent. Demande à. Des orties. Non, c'est des aiguilles. Fais gaffe, tu vas lâcher. Ah, c'est ça. Ouais, ok, ça marche. Merci. Oh la vache. Et au pire, on dort là ce soir. Hein, oui, regarde. T'as raison. Eh, mais c'est classe, n'empêche. Non. Ah bah voilà, et on n'a pas eu besoin d'escalader le portail. C'est une solution si à un moment donné vous êtes bloqué sur une aire d'autoroute, sachez qu'il y a toujours des... Des voies de service, qui vous donnent accès du coup au village alentour. Et donc là-bas c'est parti pour une heure de marche, direction Bourgoin-Jallieu. Et en plus il y a même une piscine. Ouais bah pète la tronche de la piscine. Ah, les libellules rouges, regarde. Attends. Non mais chérie, moi j'en ai trop marre là. Tu sais quoi? Je jette l'éponge. Oh la blague à la con. Je jette l'éponge. Je jette l'éponge. Ah oh, bah Bruno sort de ce corps. Je jette l'éponge. Ouais c'est ça. C'est Koh-Lanta. Déjà on est dans la bonne direction. On est dans la bonne direction. On est sorti de la brousse. Putain, sans déconner. On n'est plus sur l'autoroute. Par contre tu devrais sortir... Dylan. Dylan? Moran. Moran. Marley. Saint-Clair. Je sais pas qui. Il fait chaud. Ça, sans déconner. Ça y est. Je coule. Ah. Ah, c'est un problème. Aujourd'hui, pas d'images de ville, des images de sueur. De sueur? De sueur. Ok, de sueur. Donc, t'as jeté l'éponge? Oui. Dans 5 minutes, je nous considère comme définitivement perdus. Perdu. Bah en fait, on sait déjà pas où on est, donc je crois qu'on est déjà perdu. Parce qu'on n'est pas à Bourgoin, là. Pas faux. On est loin quand même. Hein. Pas faux. 5 minutes. D'accord. Regarde, il y a Jason Statham qui s'arrête pour nous. Mais quel talent. Ça, Steph? Comme je suis content de vous voir. C'est pas vrai. Ah ouais, on vous voit tout le temps derrière l'écran. Comme on est content de te voir. On va vous le présenter tout de suite. Nous vous présentons le sosie officiel de Jason Statham. C'est moi qui ai dit ça. Alias Steph. Steph le marin, c'est ça? C'est ça. Steph le marin. On va faire connaissance avec Steph le marin dans quelques minutes. Donc là, on est juste à côté de Bourgoin-Jallieu. Et on vient d'être sauvé par notre ami Steph. Merci, en tout cas. C'était obligé. Vous pouvez pas faire autrement. Il fait trop chaud chez toi. Il fait trop chaud. Steph, est-ce qu'on peut donner ton âge? Oui. Quel âge? 2x5. Mais juste à côté, les 5. 2x5. 55. Ah merde, putain, j'étais en train de calculer, je te jure. 5 et 5. 55 ans. Ouais. Bel homme. C'est la coupe de cheveux qui fait tout, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Nous sommes... Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Steph? Alors, moi, je travaille dans un organisme de prévention. Je suis principalement formateur en conduite d'engins, de manutention et sécurité au travail. Tout ce qui est CACES et compagnie? Eh ouais, c'est ça, exactement. Okay. Ça. D'accord. Donc, je travaille chez APAV. APAV, qui se trouve... Organisme de contrôle partout en France. On a 170 centres de formation en France. Donc, ok. Ouais. Moi, je suis sur le centre de Saint-Priest. Saint-Priest, donc juste à côté de Lyon. Eh ouais. Très bien, impeccable. Donc, pour la petite histoire, Steph nous suit, donc suit notre aventure depuis déjà l'année dernière. Hein. Oui. Si je ne me trompe pas, si je ne m'abuse. Et donc, il a pu voir sur l'application, que vous pouvez voir également, ça s'appelle Polar Step, que ben voilà, on était sur Lyon et qu'on partait en direction de Bourgoin-Jallieu. C'est la raison pour laquelle on se retrouve du coup avec Steph. Et ce sera également notre hôte
pour ce soir, puisqu'il nous a gentiment invités à dormir avec lui. Avec lui, pardon, chez lui. Ah, je suis désolé, ça fait deux fois que je fais le lapsus. On ne dormira pas avec toi, mais on dormira chez toi, si, voilà, si, si ça peut te rassurer, Steph. En tout cas, merci beaucoup de nous accueillir déjà à Bourgoin-Jallieu et merci de nous accueillir chez toi. Ah, mais moi, c'est avec grand plaisir. Et je leur disais tout à l'heure, j'ai trop de la chance. Parce que vous, vous, vous voyez derrière l'écran, moi, ça y est, je les ai dans ma bagnole. C'est nous qui avons la chance d'avoir, de t'avoir et de vous avoir également derrière votre écran. Destination Bourgoin-Jallieu. On est bien. Bon, on va quand même vous montrer rapidement que ce soir, voilà, donc on est chez Steph, Steph le marin. Et ce que vous voyez en face de vous, c'est une ancienne gare. Et on peut facilement s'imaginer que juste ici passait à l'époque le train. Donc là, bah, évidemment, hein, les rails n'y sont plus. L'ancienne gare de Saint-Savin. Saint-Savin. Ici, on est à Saint-Savin, à 4 km de Bourgoin-Jallieu. Ok. En Isère. D'accord. Et là, bah, les copains, regardez, hein, on en a vu là pendant quasiment 15 jours, des oliviers. Alors ça, c'est des mini-olives. Voilà, des toutes petites olives. Petite olive deviendra grande. Petite olive deviendra grande. C'est ce que je dis tous les jours à Erika. Non. Tu parles de tes olives ou de moi? Ah bah sympa. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements et ovation à notre ami Steph Le Marin. Il va se tenir s'asseoir. Je viens de lui dire, en plus, on va te faire une entrée de star. Il est beau, hein? Je suis tellement content de les avoir à la maison. Alors, première question, Steph. Oui. Pourquoi Steph Le Marin? Est-ce que tu peux nous réexpliquer en deux mots? Ça va intéresser Bruno. Alors, Steph Le Marin, parce que j'ai commencé ma carrière professionnelle... dans la marine nationale, ça a duré 11 ans. Pardon, je me frappe. En fait, il y avait du chauffage, de la lumière, on mangeait gratos. T'es rentré. Donc, du coup, je suis resté 11 ans. Excellent. Donc voilà. Ok, Steph Le Marin. Bruno, je sais pas si tu te souviens, mais quand on était à Toulon, tu avais lancé un défi à Erika. Toucher le pompon d'un marin. Regarde bien ce qui va se passer. Bruno, est-ce que tu reconnais? Voilà, alors, on va déjà te mettre, comment on appelle ça? Un bâchis. Un bâchis. Ouais. On va te mettre donc le bâchis. Je te laisse aller toucher le pompon de Steph. Non, alors d'abord, moi je touche jamais sans demander. Alors, tu touches jamais sans demander. Steph, est-ce que je peux te toucher le pompon? Vas-y, touche-moi le pompon. Voilà, petit pompon. Et ben voilà, c'était le défi... Ça porte bonheur. Eh ben oui, pareil. C'était le défi de Bruno, je crois. De Bruno. Donc voilà, on a même le... Comment t'as appelé ça? C'est le baluchon. C'est le baluchon. C'est le sac, tu vois, tu mets comme ça. Et là, tu pars en autostop avec nous. Et là, quasiment. Ouais. Donc, quand c'est bien, il faut imaginer que ce soit bien rempli. Tu le portes comme ça. Jean-Jacques Goldman, je marche seul. Ouais, c'est ça. C'est ça. Exact. Et puis, ben, quand c'est trop, trop lourd, tu le mets comme ça. Changement de gare quand t'es dans la galère. Changement voilà. De gare, ça tombe bien, on est devant une gare. Voilà. Exactement. Donc ça, Bruno, tu dois connaître aussi. J'ai cru comprendre que... Ben oui. Bruno qui était à l'armée. C'est un ancien de la Royale aussi. Exactement. Alors, on a une question de Géraldine. Géraldine de Aix-en-Provence. Ouais, ça, il paraît que t'as une deuxième passion dans la vie aussi. T'as une deuxième l'impro. Passion Oui, j'aime beaucoup l'impro, effectivement. Je fais partie d'une troupe d'impro qui s'appelle La Mauvaise Troupe. Ben, on se produit sur scène à chaque occasion. On fait du cabaret... d'impro, et puis on s'est essayé au match d'impro cette année. Donc ça veut dire que si là on te trouve un sujet, chérie, en quelques secondes, premier mot qui sort de ta bouche. Premier mot, sirop. Volet. Sirop et volet. Sirop et volet, ok. Soit c'est des mots à citer dans une impro en général, soit tu suggères en plus une façon de faire. Ok. Soit le public te donne... te donne un personnage ou chose comme ça et puis tu parles là-dessus. Après tout seul c'est pas évident de faire ça alors voler c'est soit le sport, tu pars sur le sport. Ouais. Soit tu pars sur un volet. Les volets qui sécurisent ma maison quand je suis pas là. Fallait être avec nous pour comprendre. Alors, on a une question de Georgette qui habite juste à côté de Bormes-les-Mimosas, un petit village qui s'appelle Dunkerque. C'est... Elle est bon public. Je suis fatiguée.
de la part de son petit-fils qui s'appelle apparemment Jean-Louis David. Quel shampoing utilises-tu ? Moi, j'utilise un shampoing qui adoucit la peau et le cuir chevelu. D'accord. C'est très important et surtout un qui mousse beaucoup. D'accord. Okay. Parce que l'espace d'un moment, quand je le fais bien mousser, j'ai l'impression d'avoir une gouffe magique, quoi. C'est ça, c'est ça. Et là, ça fait tellement du bien. Donc voilà, Jean-Louis, tu as donc la réponse à la question. On va faire un petit jeu. C'est qu'on va faire selon les lettres de l'alphabet, A, B, C, D, E, F, G. Tu vas commencer, d'accord? Et on va créer une phrase entière, d'accord? Donc, on va construire une histoire. On construit une histoire. On va faire de l'impro. Eh ben, allez, c'est parti. Ok. Non, attends, c'est nul, ça. On est bien ici, hein. Ben, tu vois, j'en étais vraiment persuadé parce que, en fait, c'est chez moi, quoi. On est forcément bien. C'est vrai ce que tu dis. C'est vrai, c'est vrai. Dommage qu'on ait plus le soleil, par contre. Effectivement, Erika, tu as raison. On a plus trop le soleil. Par contre, on n'est pas loin de l'aéroport de Saint-Exupéry puisqu'il y a un EasyJet qui est en train de passer là. Finalement, t'as raison. T'as raison. Finalement, c'est un EasyJet. Gamin. Vous êtes des gamins, en fait. Hey, avec un H. Tu n'as pas si tort que ça, nous sommes tous des grands enfants. Il a raison. Je suis perdu, moi. Je suis perdu. Képi. Plutôt que de mettre un bashi, mets un képi. Je pense que ça t'irait mieux. On dit le képi ou la képi? Le képi. Le képi. C'était un L, c'est bon quoi? Non, t'as dit on. L. T'as commencé le par képi. On. Le képi ou la képi? Moi, je préfère le bashi, il y a le pompon quand même. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Le bashi, c'est bien pendant quelques années. Mais après, il faut passer sous officier, t'as une jolie casquette. On n'irait pas piquer une tête, là? C'est un peu chaud. Pourquoi c'est tout le temps moi qui sèche? Qu'est-ce que c'est une bonne idée, ça? Ça tombe bien, il y a un spa à côté. On y va? Oh là 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 là, le spa. Spa? Il a dit spa? On a quelle lettre? Je suis perdu. S. Tout à fait, Erika, tout à fait. Ouh, 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 ouh. Le spa, ça va faire mal ce soir. Hein. Oh, vas-y, on fait un spa. Waouh. Wesh. Non, pas wesh, je préfère waouh. Il est 29 là maintenant. 29 X. J'ai rien d'autre à dire. 29 degrés X. Il y a le maillot de bain obligatoire là-bas ou pas? On part dans le X. Zut, j'avais pas prévu tout ça. Vous l'avez compris, ça part en sucette. Bonne soirée. C'est toujours comme ça. C'est comme ça qu'on termine la vidéo. On va, comme d'habitude, on va garder tout ce qui se passe entre nous, sans parler du spa. Hein. Donc, ils vont s'imaginer des trucs. Ouais, c'est ça. C'est mort. Là, maintenant, c'est l'imagination de chacun qui va déborder un petit peu à droite. Mon image de marque, là, c'est foutu. Ça, c'est foutu. Papa, maman, regardez pas cette vidéo. Les amis, on se dit à demain pour la suite des aventures. Demain, on sera au 15e jour. Il en reste 3. Deux jusqu'à 17. Ouais, c'est ça. Je vous rappelle que le 31, on est censé être sur Albertville. Donc voilà, un grand merci encore à Steph le marin de nous recevoir ce soir. Moi, j'ai envie de l'appeler Steph le marrant quand même. Steph le marrant. Exactement, Steph le marrant. Allez, me voilà rebaptisé. C'est un grand plaisir de vous recevoir. Je suis vraiment content de... Je les touche en vrai. J'arrêtais pas de toucher mon écran et maintenant, c'est bon. À demain tout le monde. Bonne soirée.